c'est l'heure où s'écrivent les légendes. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons vous faire vivre un match que vous n'oublierez jamais. Une finale de Coupe du Monde, c'est un événement. Surtout avec cette affiche, la Chine face au Vietnam. Jour historique pour les deux équipes. La finale de la Coupe du Monde, c'est un match complètement à part. C'est le sommet de la compétition. Voyons les 11 chinoises qui vont débuter. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Jia Yue, Wang Chaochue, Li Mengwen, pour Wang Shuang, Zhang Rui. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Win. Super pressing et la récupération très haute. Wang Shuang. Yao Wei. Il faut qu'elle prenne sa chance là. Zhang Rui. Très belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. Le corner. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile cet arrêt. Il a bien anticipé. C'est magnifique ça. Corner. Incroyable, c'est sauvé sur la ligne de but. Elle a opté pour le centre et c'est renvoyé par la défense. Win. Oh, le ballon intéressant. Encore une chance. Et oui, c'est au fond, c'est magnifique, la finale est en train de basculer d'un côté. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, le 1 contre 1. Un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Wang Chaochue. Zhang Rui.
pour Wang Shuang. Wang Chaochue, Li Mengwen. Pour Wang Shuang. Ah, il faut bien négocier ce ballon. En bonne position pour égaliser. Le but de l'égalisation. Golasso. Les filets tremblent. Cette finale s'agite. Le suspense est au rendez-vous. Il y avait cette agitation. C'est la réaction des grandes équipes. C'est le frisson des grands matchs. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Win. Femme. Excellente intervention. Li Mengwen. Pour Zhang Rui. Assez bien joué, il y a une bonne progression. Win. Très bon timing sur cette interception. Oh, la faute et pénalty. Oh, et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Pour Wang Shanshan. Et pour Zhang Qin, Jia Yue. Wang Chaochue. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Allez là, elle peut frapper. Attention, voilà un bon duel. Et oui, le nouveau but, pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité, tout est à refaire. Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2 buts partout. Ah, grosse pression, ballon perdu. Tran. Et ce ballon est finalement intercepté. Oh, ça peut aller au but. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Tai. Win. Femme. Elle est un peu forte cette passe. Le ballon est récupéré. Wang Shanshan. Et voilà un ballon qui est intercepté. Tran. Et la récupération du ballon. Pour Wang Shuang. Il faut tenter sa chance. Allez, il faut la tenter. Et c'est dedans. Goal, goal, goal. Le but
pour prendre l'avantage dans cette finale. Même les oreilles, il pleure quand on arrive à recevoir cette émotion, cette transmission. On est devant une haute intensité émotionnelle. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. Donc au tableau d'affichage. Win. Femme. Et le ballon leur échappe. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Du break, deux buts d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau, savoir saisir la bonne opportunité. Ah, beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Ouh, l'occasion de revenir. Et c'est au fond, voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien vue. Du jeu, des buts, des tribunes en folie. Les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre va marquer les esprits. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Attention à cette frappe. Oui, bien défendu. Le corner. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Et le score est assez incroyable, ça fait maintenant 5-3. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Jean-Gruy. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue, nouveau but, et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Et avec ce nouveau but, le score s'envole, 6-3. Win. Pran. Oui, le bon geste défensif. L'action se poursuit dans le camp adverse, en très bonne position. Et le but,
encore et toujours plus. Quel festival offensif! 4 buts d'avance maintenant. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Win, femme. Taille. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Excellente intervention. Le corner. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. Et voilà le cabezazo. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Titouillette Dong. Tran. Win. Olé, le bon mouvement. Il s'est dégagé en corner. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Wang Chan-Chan. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Et voilà, ça sort en touche. Bonne progression dans le camp adverse. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Elle laisse échapper le ballon. Titouillette Dong. Trop moyen ce centre, dévié dès le départ du ballon quasiment. Wang Chan-Chan. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Win. Tran. Femme. Ouais, c'est un pressing efficace. Changrui. Et le contre est possible maintenant.
Et l'équipe récupère le ballon. Ouais, ballon pour une frappe. Et voilà, but! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Pour Jean-Gruy, et voilà une conservation défensive pour gagner du temps. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Oh là 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 là, et encore un but. On n'arrive même plus à les compter, ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Douillette Dong. Tibik Tui. Voilà un ballon bien capté par la gardienne. Et la possession leur échappe. Win. Tibik Tui. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Et une passe lobée pour créer le danger. Oh, il fallait intervenir. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Et c'est dedans! Le but pour le doublé, magnifique! Il n'y a pas de secret, quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnels. Voilà ce qu'on voit ici, c'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout un but. À quel match, c'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. L'arbitre siffle la faute, ça donne donc un coup franc. Taille. Et c'est au fond, goal! Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Pour Wang Chuang. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et la pression pour empêcher la relance. Win. Femme. Ce ballon est intercepté. Ouais, facile, ça passe. Allez, il faut la tenter. Oh, c'est dedans, but!
Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien menée. Ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Titou Yadong. Win. Le ballon leur échappe. Pour Wang Shuang, pour Zhang Rui. Tibic Tui, Tai, Win. Oui, bonne récupération du ballon. Wang Shanshan. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et sur ce match, il n'y a pas de débat, domination totale, le score est sans appel. Femme. Oui, bien fait ça. C'est contré sans problème. Jayoué. Pour Zhang Rui. Pour Wang Shanshan. Ah non, c'est rendu directement. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, c'est dévié et c'est un corner selon l'arbitre. C'est bien parti pour ce corner. Ah, c'est récupéré, mais maintenant il faut vite se dégager. Pour Zhang Rui, ah, les adversaires pressent. Ah, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Frappe puissante juste à côté. Et c'est au fond le triplé exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Ah, quel match. C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Han,
Wynne. Ouais, c'est très bien défendu. Li Mengwen. Wang Chaochue. Zhang Rui. Et bien fait, attention à l'occasion. Le but de l'attaquante chinoise Wang Chuang. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Ah, le spectacle est plaisant. Les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Tibic Thuy sur le côté avec de l'espace. Olé, belle technique là. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Ah, le ballon est contré. Wang Chanchan. Et peut-être l'occasion de marquer. Et oui, but! C'est le but typique du renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, ou très rarement, de but dehors de la surface. Ah, ces deux équipes sont en forme. Le tableau d'affichage peut en témoigner. Ça y est, c'est terminé. C'est la pause au Stadium Australia. Ça y est, le ballon roule à nouveau dans cette finale de Coupe du Monde. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ah, la frappe est contrée. Titouillette Dong. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Wang Chanchan. Oh, et c'est bien servi. Le but de Wang Chuang, le but de l'internationale chinoise. Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Quel match! C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Titouillette Dong. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Oui, c'est contré. Bonne défense. Pour Wang Chanchan. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. À l'occasion, peut-être ici. Goal, 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 goal.
Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Tran. Femme. Taille. Et l'équipe récupère le ballon. Et ça peut être dangereux. Et il y a encore le feu. Et c'est le but! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Douillette Dong. Femme. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Oh là 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 là, le but sur cette tête plongeante. Qu'est-ce que c'est bien joué. On le revoit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. À quel match ! C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Zhang Rui. Wang Chanchan. La projection dans le camp de l'adversaire. Oui, il faut frapper maintenant. Goal ! Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Olé, le bon mouvement. Sa coéquipière là qui est en difficulté, elle a fait un bon jaillissement pour récupérer le ballon. Zhang Rui et le face-à-face à venir. Et voilà le but. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent Contrin. Un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Ce ballon est intercepté.
aïe, 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 ballon perdu. Luyn, bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Vers l'intérieur pour aller provoquer, balle au pied. Ah, le bon réflexe là. Le corner. Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Excellente défense dans la surface. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Ah, le stade réclame une frappe. Excellente intervention. Un corner qui est bien ajusté. Gros travail de la défense, bien placé. Aucun danger sur ce coup de tête. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Oh, et la Chine qui marque! Et voilà, but des Chinoises, c'est bien fait! Quel bombasse, ils viennent de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Quel match, c'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Pham. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Oui, bonne intervention. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Olé, belle technique là. Très bonne intervention avec ce tacle en pleine surface. Ah, il faut qu'elle prenne sa chance là. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner bien tiré. Pas de détail, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. Le corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Les Chinoises dépossédées du ballon. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, la place pour tenter sa chance. Oui, joli réflexe. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et oui, le bon coup de tête! Voilà une bonne reprise dans les airs! Et ça fait but!
la réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré. Ça empêche la défense d'intervenir correctement. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Il n'y a pas vraiment d'opposition en face. L'écart est immense entre les deux équipes et il se creuse encore plus. Han. Femme. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et bien fait, attention à l'occasion. Goal. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Ah, ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Win. Tran. Femme. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. C'est toujours risqué de se jeter comme ça, mais là c'était parfait. Wang Chanchan. Un face à face à négocier. Oh, aïe 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 aïe. Attention, la faute là en position de dernier défenseur comme ça. Ça sent le carton rouge. Et carton rouge, l'arbitre n'a pas le choix, c'était une occasion nette de but là. Et oui, elle n'a pas hésité, ce genre de faute, c'est à la douche directement. Oh, le tir de loin, pour marquer de cette distance, il faut s'appeler Omar Da Fonseca. Oui, moi je l'ai placé dans la lucarne. On le voit dans ces stats, c'est l'ABC du football. Des bonnes opportunités créées et des buts, tout simplement. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Goal, 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 goal. On revoit le but, ou plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Win. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Le ballon capté sans problème. Yao Wei. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Oh, ça va au fond, but! Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Quel match, c'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Titouillette Dong. Win. Très bonne couverture du ballon. Oui, sans commettre de faute. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Et c'est le but! Les Chinoises qui marquent! Goal!
Lo secret de ce bombazo, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Ouais, ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Et ça a l'air bien dosé ça. Ah, le bon réflexe là. Combinaison, ça joue en deux temps. C'est contré sans problème. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, la faute et du coup un coup franc très dangereux à venir. Ce coup franc bien frappé et c'est au fond des filets. Et voilà, quelle précision dans le geste. Le pied vient caresser la balle pour l'hypnotiser, lui faire faire des choses qu'il n'imaginait même pas. Regardez la trajectoire, le ballon sort pour replonger. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Titouillette Dong. Ah, bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Oui, la parade. Un ballon récupéré. Elle a opté pour le centre. Pénalty, la faute est signalée par l'arbitre. Ah, c'est dedans, qu'est-ce qu'il est bien frappé ce pénalty. Pourquoi pas la jouer sûre, effectivement, et jouer petit filet.
On le revoit sur pénalty, la frappe est sèche et très bien exécutée. À quel match! C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Wang Zhuang, un ballon rendu à l'adversaire. Un bon contre à jouer peut-être. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Allez, cette passe, elle est bien vue. Ah non, là c'est un ballon qui est récupéré par la défense. Wang Zhuang pour Wang Shanshan. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oh, et la Chine qui marque. Et voilà, but des Chinoises, c'est bien fait. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Et voilà les 5 dernières minutes d'un match complètement déséquilibré. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et ça se termine dans les gants de la gardienne. Oh, c'est un bon ballon ça! Et oui, but! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Taille. Tran. Ah, le contact sans faute. Douyat Dong, ballon perdu, c'est rendu même. Oui, la belle incursion là. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Douyat Dong. Eh oui, par-dessus, pourquoi pas. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Oh, attention à ce ballon. Et c'est le but! Les Chinoises qui marquent! Goal!
Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. L'écart devient vertigineux au tableau d'affichage. C'est plus qu'un match à sens unique. C'est une suprématie totale. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Pour Wang Shuang. Ouais, très bonne conservation du ballon. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, il faut tirer là. Li Mengwen, Wang Chaochue, Jia Yue. Ah, la possession du ballon est bien maîtrisée en attendant l'ouverture. Un ballon perdu, la possession change de camp. Wang Chanchan. Goal! Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Et voilà une rencontre très déséquilibrée. Le score est là pour en témoigner. C'est un match qui semble plié. Douillette Dong. Tran. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Un face-à-face à négocier. Excellente intervention. Le corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Et attention à cette frappe. C'est contré sans problème. Ah, bonne couverture de balle pour temporiser. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Douillette Dong. Tibik Tui. Et c'est une frappe. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Et le danger est éloigné. Zhang Xin. Et la défense est battue. Et c'est intercepté, ça. Et profite bien de l'espace créé sur le côté. Olé, le bon mouvement. Intervention, superbe. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Win. Taille.
Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Pour Wang Shanshan. Ah, la passe en profondeur, attention. Oui, très bon timing sur cette passe. Et voilà ce but, un but en fin de match. C'est déjà ça, mais au point où on en est, c'est sans doute insuffisant. Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Ça y est, le coup de sifflet final, elles peuvent lever les bras au ciel. Elles sont championnes du monde. Entre le rêve, l'imaginaire et le vivre, il y a une grande différence. Cette fois-ci, c'est vrai. Elles vont pouvoir toucher la coupe avec leurs mains. Elles sont championnes du monde. Le plus beau quand on gagne, c'est qu'il y a un rituel, on lève les bras, on pleure, on chante. Qui n'a pas envie de participer au match de leur vie? Qui n'a pas envie d'être de la partie? C'est vrai que le bonheur de gagner, c'est finalement assez naturel, mais toujours extraordinaire à vivre. Le football continue à nous offrir l'inattendu. Champion du monde.